Bon, j'ai montré comment on récupère sa pousse-fourche. La pousse-fourche qui est là-haut, je commence à descendre un peu. Donc là, vu que tu es passé peu de tes nœuds dans le gros, c'est-à-dire que ton épiture va passer un premier dans le gros. Tu fais un nœud de façon à ce que ça puisse passer dans le gros d'anneau et que ça bloque dans le petit. Et après, tu tires et du coup, tu pries. Tu tires. Ça passe. Ça passe les couilles. Ok, mon nœud est passé mais l'épissure n'est pas passé. On fait les à-coups. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'habitude je te promets que c'est de pas se mettre ça.